Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles. On considère les intervalles suivants: l'intervalle i qui est égal à moins 2, 5, l'intervalle j qui est égal à moins 1 plus l'infini et l'intervalle k qui est égal à moins l'infini 3. Pour la première question, on veut déterminer les intersections suivantes: i inter j, i inter k, j inter k. Premièrement, pour bien sûr déterminer ces intersections, on peut utiliser une droite et tracer les trois intervalles sur la même droite. Commençons par la droite qui représente l'ensemble R. R, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ça désigne l'ensemble R. Bien. Commençons premièrement par tracer en rouge l'intervalle i. I, c'est quoi? C'est l'intervalle moins 2, 5. Qu'est-ce que ça veut dire l'intervalle moins 2, 5? C'est l'ensemble des x, ce sont des réels, qui sont compris entre moins 2 et 5. Bien, on place sur cette droite les deux réels moins 2, 5. Bien sûr, moins 2, il est inférieur à 5. On va le placer à gauche de 5. Et après, on va tracer cet intervalle qui est l'intervalle moins 2, 5. Bien, on voit que l'intervalle moins 2, 5, c'est comme qu'il est écrit, comme il est tracé. Bien, passons maintenant à l'intervalle J. J, c'est quoi? C'est moins 1 plus l'infini. C'est quoi moins 1 plus l'infini? C'est l'ensemble des x qui sont des réels, tels que ces x sont supérieurs. Bien, moins 1 plus l'infini, ça veut dire supérieur. Et ici, j'ai cet intervalle qui est ouvert à gauche, donc x supérieur strictement à moins 1. Pour placer cet intervalle, on va placer, bien sûr, pour tracer cet intervalle, on va placer le moins 1. Et moins 1, bien sûr, il est compris entre moins 2 et 5. Pour les x qui sont supérieurs à moins 1, ce sont les x qui sont à droite de moins 1. Et on va, bien sûr, tracer cet intervalle, moins 1 plus l'infini. Pour le dernier intervalle qui est l'intervalle k, k, c'est quoi? C'est moins l'infini moins 3. C'est quoi moins l'infini moins 3? C'est l'ensemble des x réels, des x des réels, tels que x sont inférieurs ou égal à 3. Ou égal, pourquoi? Parce que ici j'ai l'intervalle qui est fermé au voisinage de 3. Ici j'ai strictement parce que j'ai l'intervalle qui est ouvert ici au voisinage de moins 1. Donc pour tracer bien sûr cet intervalle qui est l'intervalle k, on va placer le réel 3. 3, il est compris entre moins 1 et 5. Et pour les réels qui sont inférieurs à 3, ils se trouvent bien sûr à gauche de 3. Bien. Après, on a tracé les trois intervalles qui sont i, j et k. Passons maintenant à donner et déterminer l'intersection i inter j. C'est quoi i inter j? Dans ce cas, on ne va pas s'intéresser à l'autre intervalle qui est k, on va l'éliminer. On s'intéresse seulement à i et à j. Qu'est-ce que ça veut dire i inter j? Ce sont les réels qui appartiennent à i et aussi il appartient à j. Bien, si je prends par exemple cette partie-là, il contient des réels qui n'appartiennent ni à i ni à j. Si je prends le réel qui appartient à cet intervalle, il appartient seulement à l'intervalle i. Si je prends ces éléments-là ou bien ces réels-là, il appartient seulement à j. Mais si je prends cet intervalle-là, les éléments, ces réels, bien sûr, il appartient à i et aussi il appartient à j. Donc, dans ce cas, l'intervalle qui désigne l'intersection i inter j est égal, bien sûr, à moins 1, 5. Pour l'autre intervalle qui est i inter k, on ne s'intéresse pas maintenant à l'intervalle j. On va l'éliminer pour déterminer l'intersection i inter k. I inter k, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à i et les éléments qui appartient à k, c'est-à-dire les réels qui appartiennent à la fois à i et à k. Si je prends ces éléments, il appartient à k, mais il n'appartient pas à i. Si je prends ces éléments, il appartient à i, mais il n'appartient pas à k. Si je prends ces éléments, il n'appartient ni à i ni à k, mais si je prends ces éléments-là, qui se trouvent sur cet intervalle-là, ou bien dans cet intervalle, il appartient à la fois à i et aussi
AK. Donc l'intersection I inter K à quoi est égal à l'intervalle moins 2, 3. Pour J, la dernière intersection, J inter K. J inter K, bien sûr, on va éliminer et effacer l'intervalle J. Donc on va éliminer l'intervalle J. On s'intéresse seulement à J et à K. Bien. J inter K, ce sont les réels qui appartiennent à la fois à I et à K. Bien, si je prends ces éléments, bien ces réels qui se trouvent sur cet intervalle, il appartient bien sûr à K, mais il n'appartient pas à J. Ces éléments sur cet intervalle, il appartient à J, mais il n'appartient pas à K. Mais ces éléments qui se trouvent sur cet intervalle, il appartient à la fois à J et appartient à K. Donc l'intersection J inter K, c'est l'intervalle moins 1, 3. Donc, comme on l'a fait pour l'intersection, on peut le refaire pour l'union entre deux intervalles. Maintenant, on va déterminer les réunions suivantes. U union J, U I union K, J union K. Bien, commençons par I union J. Bien sûr, on va éliminer l'intervalle K. Donc, on s'intéresse ici à I, I, à J. Qu'est-ce que ça veut dire I union J? Ce sont tous les éléments, ou bien tous les réels, qui appartient à I, où X, il appartient à J. Bien, si je prends cet intervalle, il contient des réels qui n'appartiennent ni à I et ni à J. Donc, ça ne désigne pas l'union. Si je prends ces éléments-là, il appartient à I. Donc, puisqu'il appartient à I, alors il appartient à l'union. Si je prends ces éléments, il appartient à J. Puisqu'il appartient à J, alors il appartient aussi à l'union. Et ces éléments-là, il appartient à I et à la fois à J, donc il appartient à l'union. Donc, I union J, c'est quoi? C'est l'intervalle moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire il contient les éléments qui appartiennent à I ou bien à J. C'est-à-dire que soit il appartient seulement à I ou bien seulement à J ou bien à l'intersection I inter J. Pour le deuxième, pour la deuxième union ici, I union K. Pour I union K, on va éliminer l'intervalle J. On s'intéresse maintenant seulement à I et à K. Donc, bien sûr, on va prendre tous les éléments qui appartiennent soit à I ou bien à K avec les éléments qui appartiennent à la fois à I et à K. Donc seulement on va éliminer cet intervalle-là. Pourquoi? Parce que cet intervalle, il contient des éléments qui n'appartiennent ni à I, ni à K. Donc l'union I union K, c'est l'intervalle moins l'infini 5. Moins l'infini 5. Elle contient tous les réels qui appartiennent à I, et ou bien il appartient à K, ou bien il appartient à I et à K à la fois. Pour la dernière réunion, I union K, on va bien sûr éliminer l'intervalle I. Donc J union K, on voit que si on prend ces éléments sur cet intervalle, il appartient à K, donc il appartient à l'union. Si je prends ces éléments, il appartient à J, donc il appartient aussi à J union K. Et si je prends ces éléments, il appartient à J et aussi il appartient à K, donc il appartient aussi à l'union. On voit dans ce cas que tous les réels, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il appartient à J union K. Donc J union K, c'est quoi? C'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui désigne l'ensemble R. Merci.